Perpignan est une ville qui est extrêmement marquée par le tourisme sur son organisation, sa forme urbaine et les temporalités de fonctionnement de la ville. Alors, c'est une ville qui passe de à peu près 8000 habitants en hiver à près de 60 000 habitants en pleine saison, ce qui évidemment induit des modes de fonctionnement très très différents selon la saisonnalité touristique. Marseillan est une ville qui a une organisation bicéphale, puisque donc il y a deux pôles urbains, le Marseillan village, le vieux village de Marseillan qui est un petit peu dans les terres, à côté de l'étang de Thau, et puis Marseillan plage, qui est la station balnéaire, où se concentre la majeure partie des résidences secondaires, avec la présence de très très gros campings sur Marseillan plage, qui sont en fait le mode de tourisme ici qui marque beaucoup le territoire. Évidemment, tout ce qui est commerce, service à la population à Marseille en plage, a du mal à fonctionner hors saison. On le voit, alors c'est des modes de fonctionnement des commerces qui sont assez particuliers. Hein. Les gens, les saisonniers viennent là, ils ouvrent le magasin ou le restaurant pour quelques mois de l'année. Certains arrivent en avril, d'autres plus tard. Ils ferment à l'automne, à la fin de la saison, une saison qui est assez diluée dans le temps, mais quand même avec un pic très très important. C'est là qu'ils font leur chiffre d'affaires en juillet et août. Je suis issu d'une très ancienne famille de Marseillans. La Marseille en plage, autrefois, il y avait quoi? Il y avait des vignes, partout des vignes. Et les gens du village allaient à la plage. C'était la plage de Marseillans. Dans les années 60, ma famille qui avait des vignes, puisqu'ils étaient viticulteurs, sur cette plage a été contrainte de trouver une solution à la crise viticole. Et donc, ils ont eu l'idée de transformer leurs vignes en camping. Cette idée-là, elle a été reprise par d'autres propriétaires de vignes et à partir des années 60, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 campings se sont créés avec plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes pendant cette période estivale. Donc évidemment, tout ça s'est fait progressivement, mais quand même dans un temps tellement court qu'il a fallu mettre en place toutes les infrastructures qui étaient indispensables pour accueillir tous ces gens, des bâtiments, les réseaux électriques, les réseaux d'eau, le tout à l'égout. Le tout à l'égout, c'est rien, mais quand vous avez 10 000 personnes qui arrivent, il faut organiser tout ça. Et tout ça, ça a été des enjeux économiques avec le soutien de la ville, évidemment, puisque c'est la même municipalité qui gère Marseille en ville et Marseille en plage. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir la transformation absolument fulgurante des lieux. Dans les années 60, il y avait la plage et les vignes. Aujourd'hui, si on regarde, ce sont des successions de campings. Et derrière, se sont aussi construits des petites maisons, des petites résidences. C'est plutôt quand même des choses de taille moyenne. Mais finalement, ce Marseille en plage d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce qu'était les plages de Marseillan juste avant les années 60. Notre question de recherche, c'est comment on gère une ville qui est soumise à ces fluctuations démographiques, saisonnières très très fortes. Quelles conséquences ça a sur les modes de vie des habitants aussi bien permanents que des habitants plus occasionnels, et puis comment on organise la ville sur des questions très techniques, hein, de gestion des réseaux d'eau, des déchets, des questions d'assainissement. Où nous devons répondre à cette augmentation de population, répondre à une ville de 60 000 habitants. C'est vraiment un souci de services, nettoyage, bien sûr, de la ville, avec un nombre de déchets très important. Les volumes d'eau usée augmentent considérablement et nous devons nous assurer pour notre part qu'il n'y a aucune incidence sur la qualité des eaux de Médiade. Ah, pour la sécurité, il y a de la sécurité civile d'une part, qui correspond à la sécurité sur les plages, de manière à ce que les 4 km de plage soient surveillés. Donc là, nous mettons en place des postes de secours temporaires avec des équipes qui sont spécialement formées par les sapeurs-pompiers d'Agde, notamment. Ensuite, nous avons la sécurité plus classique, donc police municipale, gendarmerie, qui double ses effectifs pratiquement avec des renforts qui nous sont octroyés par l'État au mois de juillet et au mois d'août.
Donc c'est du personnel qui est mobilisé, des astreintes que nous mettons en place pour pouvoir répondre immédiatement en cas de problème. C'est les principaux enjeux auxquels nous sommes confrontés pour des questions de services à rendre aux touristes qui viennent fréquenter notre station et pour que la population locale puisse accepter aussi ce tourisme. On a démarré notre recherche hors saison. On est venu en février. Donc évidemment, février, on est au creux de la saison. Et donc on a vu, avec les balades qu'on a fait, avec les gens qu'on a interrogés, puisque notre recherche fonctionne beaucoup sur des entretiens. Et donc on a d'abord été frappé par Marseille en plage, avec tous les commerces fermés, des campings en travaux, un parc de logements qui semble vide. C'est surtout ça qui nous a peut-être marqué en première impression, on va dire. On est sur des territoires qui attirent beaucoup les retraités, qui viennent avec un pouvoir d'achat qui fait monter les prix fonciers, les prix de l'immobilier. Et les gens qui veulent se loger sur place ou leurs enfants ont des difficultés à se loger, vont se loger dans l'arrière-pays. Voilà, ça induit quand même des modifications territoriales qui, encore une fois, ne sont pas propres à Marseillan, qui sont liées à cette économie du tourisme. Le tourisme a apporté énormément de choses sur Marseillan. Il a donné beaucoup de travail aux gens. En revanche, il y a un certain nombre de logements qui appartiennent à des touristes, mais qui sont vides l'hiver. Et pendant ce temps-là, on a nos jeunes qui ne peuvent pas être logés dans la ville. C'est une conséquence du développement touristique de la ville et ce serait bien qu'on puisse y remédier. À Marseillan, les problématiques environnementales sont multiples. On est à la fois en bord de littoral, donc on a toutes les contraintes de préservation du littoral, les questions de recul du trait de côte qui sont complexes. Et puis on est en même temps à côté de l'étang de Thau, qui est une réserve naturelle très très intéressante. Le rapport du tourisme à ça est assez ambivalent, puisque à la fois c'est la qualité des paysages, la qualité du patrimoine naturel qui fait que les touristes viennent, mais ça a des conséquences évidemment sur l'environnement. Un exemple de cette difficulté à concilier à la fois préservation de l'environnement, des espaces naturels et pression touristique, c'est l'urbanisation des plages. Et phénomène relativement récent, en tout cas dans la prise de conscience, qui devient de plus en plus prégnant, c'est la question de l'érosion des plages et du risque de submersion marine des populations qui sont en première ligne. Au mois d'avril 2018, il y a eu un coup de mer important à Marseille en plage et on a perdu plusieurs dizaines d'années d'accumulation de dunes. La dune, naturellement, elle a vocation à se reconstituer par les apports de sable et à avoir la possibilité de se reconstituer vers l'arrière. L'urbanisation empêche ça. L'occupation des dunes s'est faite au fil du temps. Au début, c'était des campings qui pouvaient éventuellement se délocaliser relativement facilement. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces campings se sont durcis. Ils ont aménagé des piscines, des aires de jeu. C'est beaucoup plus problématique aujourd'hui pour une collectivité locale comme la nôtre qui essaye d'imaginer les solutions de demain pour pouvoir à la fois protéger des activités économiques, protéger des populations et protéger des espaces naturels. Mais on commence à se douter qu'il va falloir délocaliser des activités. Et ça, ça va demander une modification complète des mentalités des riverains. Et les questions qui se posent derrière, c'est aller où et comment on finance le truc. Parce que ces riverains, aujourd'hui, ils ont des maisons qui ont une valeur. Comment on les indemnise, avec quels fonds, juridiquement comment on fait. Tout ça, c'est des questions qui restent ouvertes, auxquelles personne ne sait répondre aujourd'hui. Le programme POPSU est à la croisée des chemins de à la fois la recherche, la pratique des élus sur la gestion d'un territoire et aussi des porteurs de projets. On le voit ici, à Marseillan, il y a des porteurs de projets touristiques. Il y a des élus qui se posent des questions sur les mobilités, les transports, les commerces ouverts ou pas tout le long de l'année. Et il y a des chercheurs qui sont en quête de terrain, de matière, pour leurs propres recherches justement sur les mutations de ces territoires littoraux.
Donc cette idée, elle est intéressante parce qu'elle cumule finalement tout type d'acteurs et de partenaires sur un même territoire, tous ensemble. Ce qui nous intéresse, c'est que notre travail de terrain, il remet en cause des idées préconçues qu'on peut avoir sur les territoires touristiques. Une des idées fortes qui ressort de la recherche, c'est qu'on pensait travailler sur une petite ville à Marseillan de 7000 habitants. En fait, on ne peut pas qualifier ça de petite ville au sens traditionnel du terme, parce que la plupart du temps, on n'est pas à 7000 habitants, on est à beaucoup plus. Et puis, toutes les infrastructures de la ville ne sont pas du tout celles qu'on pourrait trouver d'habitude dans une ville de 7000 habitants. Donc ici, on est hors cadre. Un autre point qu'on va développer, c'est que Marseillan est emblématique d'une situation sur la question de la saisonnalité touristique que vivent beaucoup d'autres communes et beaucoup d'autres territoires. Et donc on va développer aussi des pistes un petit peu de comparaison, puisqu'on a été voir aussi d'autres communes de manière beaucoup moins fouillée que Marseillan. Et on voit poindre comme ça des modèles de développement qu'on va essayer de mettre en évidence, à la fois dans ce qui est un peu pareil et dans ce qui diffère. Thank you.